Et hey yo les gens, c'est Oura, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Far Cry 4, l'épisode 24, je pense. Ou 25, je ne sais plus. Donc, on est là. Donc, on va prendre des avant-postes cette fois-ci. On va pas se frotter trop aux forteresses. Parce que c'est un petit peu quand même dur de les avoir quand on est juste arrivé. Hop, donc on a 500 mètres du premier avant-poste, on va essayer de couper à travers bois. Oui, j'invente de nouvelles expressions parce que bah, c'est pas couper à travers comme ça. Hop. Donc j'ai pris un pied de radio dans le précédent épisode. Et donc là, bah, on va aller prendre bah, l'avant-poste. On va essayer de prendre les deux qui sont à côté de l'autre. Oui, on a coupé un peu. La flemme de faire des événements karma là. J'ai un peu la flemme de faire les événements karma. Maintenant que je suis niveau 6 de karma, que j'ai déjà débloqué l'arme, je vois pas ce que je peux faire. Je vois pas quoi ça pourrait me servir. J'irai à l'augmenter plus tard alors. Hein. Mais bon, voilà. Bon, alors. Et roule vite son camion. Bon, la flemme. Ouh, punaise, l'avant-poste est juste là. Et hier que c'était ça l'avant-poste. Hein. Wow. Hop. Allez, c'est bon. On a fait ménage. Ouais, j'avais pas capté que c'était là l'avant-poste en fait. On arrive par l'aide. On va se soigner. Alors, je sais pas trop cette arme. Mais je devrais, parce qu'elle est vraiment très très puissante. Hein. Mais tellement. Regardez à quelle vitesse elle descend. J'aime bien, c'est les renforts qui appellent les renforts. Bon. Please. Let me leave. Parce que... Enfin voilà quoi. Je suis pas immortel. Hein. Voilà. Bon, je pense que c'est bientôt fini. Débuté. Donc le dernier, j'essaie de le finir en exécution. Bon, je l'aurais pas fini en exécution, mais bon. Voilà. J'ai mis de la garde royale. Alors attendez 5 secondes, j'avais vite fait parce que j'ai une baisse de frame, j'avais vite fait ce que c'est. C'est bon, ref. Alors, les frame rates sont toujours en train de baisser. Je comprends pas. Bref, donc on a enfin un avant-poste. On va en prendre directement un deuxième qui est là-bas. On va prendre le 4x4 et puis ben on fonce. Allez, fonce. Donc ouais, on va prendre plusieurs avant-postes dans cet épisode là parce que voilà quoi. Donc on a un en face. Ah, c'est une tour. Alors donc Pagan veut en fait vu qu'il trouve que ces soldats n'arrivent pas à bien travailler, les exécuter s'ils font mal leur travail. Non, c'est technique pour se respecter ça.
J'ai découvert l'avant-poste. Bon, mon yellow sniper. C'est bon, je l'ai bien eu dans la tête. Encore une alarme. Hop. Hop. Bon, on s'est fait repérer, c'était pas trop ce que je voulais. Mais bon. Qu'on prenne nos marques dans le lore, c'est un peu plus compliqué, sérieux de... C'est un peu plus compliqué, sérieux. Oui, il y a une brute. Est-ce qu'il... Oh, il crève, c'est bon. Hop. Les avant-postes, ouais, une fois qu'on a pété le... détruit le gros qui sont visés par balle. Ce n'est plus un problème. Voilà, on finit sur une exécution parce que c'est trop stylé. Voilà, donc on va en faire un dernier. Ou encore plusieurs, je sais pas, enfin vous voir. Ça peut être intéressant d'en faire pas mal. Comme ça on prend nos marques. On va prendre la tour radio. Le clocher est là. Prendre le clocher, on va être fait dépenser un peu notre argent. Notre argent pour acheter des munitions. Alors 1887, c'est bon. Alors hop, on va vendre, merci. Et ensuite c'est... non, c'est munitions. 50 000 cash en munitions. Chaud quand même. Bon, c'est bon, on a pris cette compétence. Centre de concentration niveau 2. Bon, on va la prendre, hein, même si j'utilise pas les seringues. Voilà, bon. Bon. On va prendre un 4x4, on va aller prendre la tour radio, à notre avant-poste, et puis voilà le planning pour cet épisode encore. Et les gens, je tiens à dire que dès qu'on a tous les avant-postes, on gagne une arme. Je sais plus c'est laquelle, mais elle a l'air pas mal. Pareil pour que dès qu'on a tous les clochers, donc c'est pour ça que je fais ça en fait. Pour, comment dire, pour les quêtes, pour que me rendre les quêtes beaucoup plus simples. Parce que franchement, à des moments, j'ai un peu de mal. Vous l'avez bien vu, ok, donc fait tourner en fait. Mais faut savoir, on tourne à gauche ou à droite. Et ce GPS va me faire tourner en bouillie. Donc voilà, donc faut pour me rendre les quêtes beaucoup plus simples. Et ensuite si on prend tous les avant-postes, je pense que les forteresses et trucs du genre. Il y a un quad. Enfin pas un quad, un buggy. Ça me rendra beaucoup les choses plus simples. Ça rendra beaucoup les choses plus simples. Je ferai vraiment bien français. Ça rendra les choses beaucoup plus simples. Et donc pour prendre les forteresses, dès que j'aurai des armes beaucoup plus précises, beaucoup plus puissantes, ça va être bon. Quoi, il est automatique, sauf que c'est pas ça que je veux. Voilà, clouger, c'est bon. Alors on y est presque. Oh, ça va plutôt vite, ça va. Ce qui est bien, c'est qu'en fait là on enchaîne les trucs en fait. J'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais dû peut-être m'arrêter. Bon. Tu es lieutenant de l'armée royale, ouais, bon, c'est bon. J'ai ça à faire d'abord, c'est ma priorité. Le karma, ça ne m'apporte guère maintenant. Donc, il y a... Ah, grappin. Ce que je me disais.
peut-être la voir d'ici. Crève. Voilà. Alors, dès que je vais finir avec le clocher, j'irai rechercher ce que je... truc de karma. Alors. Voilà. Ensuite, grappin, et puis bon, c'est bon. Alors, le lance-flamme peut être utilisé pour détruire les affiches de propagande. Ça, je savais pas. Au bout de 20 épisodes, je savais pas. C'est un peu chaud quand même. Hop, et donc, ben, on prend le clocher. Voilà. Bon, si on fait le deuxième clocher, il en reste encore 5. Je pense qu'il y a moyen de faire ça en deux, encore en deux épisodes. Et donc, voilà quoi. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment sympa de d'avoir tous les avant-postes. Toutes les radios. En plus de ça, on aura bien la vision pour les quêtes. Donc on pourra directement stepper un endroit pour faire le truc, ce que j'ai fait hein, pour le sud. Donc ça me simplifiera encore plus la tâche. Une arme encore gratuite au comptoir. Bon, alors il n'y a plus la truc. Non, je voulais pas. Ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. Bon. Voilà, et on va aller prendre le dernier avant-poste. On va reprendre le buggy. Il est dans la tête là. Voilà, là il est dans la tête. Ellipse. Je vais faire une petite ellipse parce que le téléphone sonne chez moi, j'aime pas le faire interrompre. Love that. J'adore les numéros qui vous appellent et qui après raccrochent. C'est très intéressant ce type de personne. Bon. On va les prendre ça avant poste. Et puis je pense que l'épisode se terminera sur ça. Le prochain épisode, bon, on fera encore la même chose. Hein. Clocher et avant-poste. C'est juste ça qu'il faut faire. Vraiment là maintenant c'est que ça qui m'importe. J'aime pas. D'où il réussit encore à me tirer dessus, voilà. Je sais pas. Alors par contre ce qui est bien c'est qu'en fait maintenant les soldats, bah, ce qui est pas tip top mais ce qui est bien dans le roleplay, c'est que les soldats en fait savent comment contrer. G. Et maintenant son sniper quoi. Bah, maintenant j'utilise des vraies armes parce qu'avant d'utiliser des AK il me faisait vraiment rien quoi. Maintenant qu'on évolue dans le jeu, c'est un peu mieux. Golfe du Cornac. J'aimerais bien monter. Donc faut répéter les alarmes. Encore une fois. Hein. Hop. Alors je pense pas que normalement c'est accessible avec les véhicules. Mais bon, on va le faire. Hein. Hop. Pourquoi il parle de couilles, Rabi? Je ne saurais jamais... Hop. Alors donc sniper. On détruit les alarmes. Puis après on fait la chose qu'on sait mieux le faire, c'est-à-dire tuer des ennemis. Alors on n'a qu'une seule alarme. Ah non, deux. Calme-toi. Bon, tout ce que je voulais pas, ça s'est fait. Tiens, toute l'air prend feu. Il y en a combien de lance-flammes? Putain, il y a combien de lance-flammes? Bon, on se reprend en main.
Vokaki, Focal et Lance-Flamme, c'est ceux qui nous font le plus de dégâts. Bon, il crève, c'est bon. Ensuite, question flamme, je pense que je suis bon, hein. Arrêtez de me tirer dessus. Je pense qu'il va exploser. Voilà, c'est bon. On va se soigner. On soigne une deuxième fois pour récupérer toute sa vie complète. Et ensuite, oh, putain, des mortiers. Déjà tué les soldats de base. Hop, et ensuite tuer les renforts. Voilà, crève. Puis ensuite, ah, mortier. Obligatoirement mortier. C'est plus vite pour eux. Par les airs, non mais calmez-vous, hein. C'est qu'un avant-poste. Hein. Ensuite, j'aimerais bien utiliser le mortier, voilà. Dégage, dégage, EJ, dégage. Mais dégage! Oh putain. J'ai vu un mec aussi. J'ai vu dans un. Jamais vu dans un jeu. Le personnage qui ne bouge jamais. Quand il se fait attaquer alors qu'on le dit de se soigner. Oh, c'est bon. Ensuite, le dernier, il est où? Finissons là la mitrailleuse lourde. Dans un véhicule. On va pouvoir la finir à la mitrailleuse... on va pas pouvoir le finir à la mitrailleuse lourde. Donc, ça sera fini au sniper avec un beau... Voilà. C'était pas si beau que ça. Je pensais que ça allait être plus beau. Mais bon. Donc voilà, c'est là, j'espère que vous avez bien aimé, si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous. Et puis, bah voilà, allez, à plus tout le monde, j'espère que vous avez bien aimé.